à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Comme nous avons déjà chanté, et vraiment, la communauté de nous, on a prié. Seigneur Jésus, encore une fois, nous approcher. Oh, pour nous dire merci. Merci de ce que vous avez rendu le moment ça possible. Oh, pendant ensemble, nous réunis dans le temps pour nous réaliser vraiment, ce n'est pas tout le monde qui veut le privilège là. Ce n'est pas tout le monde qui veut une grâce là. Et bien, qui veut ni gaspiller, ne pas rendre compte. Mais bon moment qui a venu, ils pas capable. Mais nous disons merci de ce que nous répondons à l'appel, nous capables là. Malgré chaleur, malgré difficulté, mais nous réalisons pas qu'on peut bonne place que présence. Et maintenant, nous besoin vraiment d'un bon homme. Yes, nous connaissons, c'est pas tout le monde qui connaît l'adresse, non, c'est pas tout le monde qui connaît et problème chaque monde qui a, difficulté chaque monde qui a traversé, mais ou même matin, nous connaissons, nous sondons dans les lieux secrets, on va réellement toucher et restaurer, s'il a au nom de Jésus, qui besoin de toucher, qui besoin de restauration, qui besoin de guérison, qui besoin de grâce, qui besoin de faveur, qui besoin de vision, qui besoin d'onction, après nous faire grâce, faire grâce. Ennemi, il redouble attaque, ennemi a réalisé, tant fini, ennemi a réalisé, tant fini, la double attaque, et maintenant on a demandé nous-mêmes, avec grâce nous avons commencé à nous réaliser, pas suffit, nous besoin de portions, l'église a besoin de deuxième toucher, on a demandé, fais grâce, papa, fais grâce, fais grâce. Car c'est sous nos comptes, nous pas gagner l'autre abri, nous pas gagner l'autre appui, nous pas gagner l'autre secours, c'est vous-même seul. Et on dit, avec Dieu, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Ennemis, yo en pile. Mais nous comptons sous, comme dit ton serviteur, oh multitude, la lie en pile, il n'y a pas proché, mais nos yeux sont fixés sur toi. Papa, agis. Mais non, papa, utilisez-nous comme un tuyau et bénis le peuple au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Thank you, Lord. Pendant que vous êtes campé, avant de vous vivre avec nous. Gloire à Jésus. Acte chapitre 4. Gloire à Jésus, ma bénédiction. Acte chapitre 4. Ma bénédiction du verset 1er jusqu'au verset 20. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontent de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous.
et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit. » En ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler ce que nous avons vu et entendu. Bon Dieu bénisse l'Église. Au Kabachita, bon Dieu bénisse l'Église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et maintenant, et comme on connaît déjà depuis un mois, et on a parlé de un sujet, côté que nous te dit au sujet à, que Jésus, c'est toute bagaille pour moi, mais qui ça, il est pour vous-même. Et à travers ça, nous te montrons que Jésus lui représentait pour moi assurément pour tout. Parfois, il agit comme un protecteur. Et nous te parlons avec comment il protéger. Nous te allé avec vous dans le psaume 124. Nous te lis verset 1 à 8. Nous te montrons sans l'Éternel qui nous protégera. Pas de personne qui est capable de protection, pas de personne qui est capable d'aider, pas de personne vraiment qui est capable de sécurité si ce n'est pas l'Éternel. Et vraiment nous réaliser, lisser un protecteur sans pareil. Et nous te prenons plusieurs exemples ensemble avec vous, que nous te faisons ouais que. Eh bien, il y a David qui est campé devant Goliath, malgré que Goliath ait des réputations, et il n'y a pas de monde qui a campé devant, mais avec Dieu, la Bible nous dit, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Goliath est obligé de tomber, parce qu'il était ennemi David, et depuis au monde, ennemi David, ennemi serviteur de Dieu, eh bien, nous sommes capables de dire c'est ennemi de Dieu. Bon Dieu bénisse l'Église. Et nous avons bon, plusieurs autres exemples côté que tu es dans Daniel chapitre 3. Nous avons ouais, vraiment trois jeunes hébreux, ils ont délagué dans du feu, pas vrai, parce qu'ils n'ont pas d'accord pour adorer faux Dieu. Mais bon Dieu lui-même, puisque ils ont campé pour bon Dieu t'a protégé, bon Dieu t'a délivré dans du feu. Hein, lorsque il y a battant pour y aller brûler, il y a battant pour y aller brûler, mais la Bible dit, ouah, t'a déclaré, lui, ouais, il est quatrième. Mais quatrième, non, il semblait les fils de Dieu. Bon Dieu, bénis l'Église. Ça fait comprendre, dans la situation, dans le moment difficile, bon Dieu, pas abandonner, il n'est pas viré de bas. C'est vous-même qui êtes capable d'affaiblir, ou qui avez perdu la foi, mais qui êtes nous garder la foi, ou qui êtes fidèle. Jésus, là, va avoir dans du feu. C'est ça que dit monsieur, et la Bible montre, nous, il était fait, il paraît dans du feu. Elle dit, nous, dans Esaïe 43, regardez, tu as traversé gros de l'eau, là, pas vers dans de l'eau. Bon Dieu, dans l'église. Nous n'avons pas de temps pour nous dire comment vraiment. Lui n'a de l'eau avec famille, lui n'a de l'eau avec maman, lui n'a de l'eau avec des servantes et des serviteurs. Et parfois, ce n'est pas de l'eau.
on de l'eau visible, mais il y a des situations là-dedans. Vous sentez vous êtes noyé, bon Dieu, bénis l'église. Vous sentez vous pas capable, vous sentez vous pas une personne qui capable de rêver, mais qui devons compter sur mon Dieu, et bien nous la venir, la protéger. Et c'est ça que nous, ils sont protecteurs qui s'en va, et son jeune de docteur, et bon Dieu, nous, ils sont grands docteurs. Bon Dieu, bénis l'église. Nous avons un petit résumé pour vous, parce que c'est fin message pour moi. Et bien, bon Dieu, non seulement lui montrer vraiment, lui sans pareil, mais côté la science lui-même campé, lorsque la science dit pas capable, la science dit eh bien, yo lave mais yo voyo la caille pour al mourir, même j'en ai eu avec dans Luc. Chapitre 8, nous te voyons Jésus-Christ vraiment, te voyons un homme qui vient de côté, il y aurait déjà riche, et l'homme ça a été un petit lit, et bien, il te voyons qui presque mourir, il te relé Jésus. Et la gueule dans le pied, la vie dit, monsieur, regardez, son gros potent allié, ses chefs temple, ses chefs temple synagogue là, et l'extérieur connaît la loi, c'est eux-mêmes qui prennent la loi, c'est eux-mêmes qui grand, moun ka vin à genou devant eux, mais eux-mêmes yon pas à genou devant moun, bon Dieu bénisse l'église. Mais la vie dit, monsieur, t'es réalisé, moment ça a dépassé, situation ça a dépassé, et relation royale n'est pas capable d'elle, et bien, il était la gueule dans le pied Jésus, il dit, maître, un enfant. Bagaille pour moi petit moi presque mourir et bien on a le soir levé petit film là pour moi et la Bible dit Jésus-Christ est en des prières monsieur et Jésus-Christ est en route et pour l'aller vraiment pour l'aller et bye jeune fille ça la vie mais pendant le jour la Bible dit et bien grande dame tout qui était malade dame nous dit qui en perd de sang dans même Luc chapitre 8 et bien dame nan li même li était dans foule là nous dit et bien Jairus lui même li était gain force li était capable li gain pouvoir tout depuis mon ouais monsieur s'est déplacé bal passé parce que son gros chabrak bon Dieu bénisse l'église et puis j'étais rencontré avec Jésus avec facilité mais la Bible dit dame ça a été sans force. Il n'est pas capable. Depuis 12 ans, la perte du sang. Il visitait tout expert qui gagne, tout spécialiste qui gagne, tout docteur qui gagne. Moi, mais Luc, lorsque Luc a expliqué, regardez, il visitait tout docteur. Parce que Luc lui-même, tout c'est ton docteur. Bon Dieu, bénis l'église. Il visitait tout docteur. Il avait dit la science lave main. La science pas capable. La science lui redole. Et vous voyez la caille. Non seulement vous voyez la caille, mais la Bible dit tout petit bien, tout le moyen qu'elle te gagne, tout fin épuisé. Mais pendant la foule là, il n'est pas capable, c'est vrai. Mais la Bible dit pas derrière. Pas derrière, il rampe, parce que assurément, il te réfléchit. Il dit regardez, depuis toucher, ou homme ça, moi je connais ma guéri. Bon Dieu, bénis l'église. Jairus te connaît, c'est pour Jésus à la caille. Si Jésus parle la caille, il n'est pas capable de faire. Mais la Bible dit qu'on croit là, c'est comme ça la fête. Et Jésus lui-même te dit qu'il est meilleur que moi la caille. Bon Dieu bénisse l'église. Mais nous réaliser, dame ça lui-même, il ne va pas parler, il ne va pas faire bruit. Mais la efforcer, la ramper souvent. La Bible dit qu'il est arrivé vraiment, touché. Ouais, Jésus, si tu as touché seulement, eh bien, docteur, va ici, là, faire miracle. Bon Dieu bénisse l'église. Nous disons un homme qui sent pareil. Jésus, pas un rival, bon Dieu béni. Et c'est bon Dieu ça a servi matin. Et lorsqu'il parlait, la Bible dit l'éternité envahie. Eh bien, en tant que docteur, eh bien, il était seulement, non seulement guéri d'Amna, mais la Bible te dit d'Amna. Eh bien, pas seulement guéri, mais foi au sauvé. Bon Dieu béni l'église. Foi au sauvé. Allez, frères et sœurs, il y a des situations là-dedans. Il y a des situations là-dedans. Parfois, moun capable commencer à blâmer. Moun capable commencer à parler. C'est son fait ou à payer. Ou à prendre conseil des bagailles. C'est depuis sous terre là pour payer. Il est vrai que vous convertissez ou confessez, c'est vrai. Mais il y a des bagailles, il faut payer. Bon Dieu, bénis l'église. Et c'est capable frère, c'est capable soeur. Quatre dix ans de bagailles, ça y est. Mais si nous allons mieux voir dans Jean, chapitre 11. N'a regardé eh bien regardez Jésus-Christ est déclaré lorsque yo Lazare t'es malade yo voyez relé Jésus lorsque yo voyez relé Jésus la Bible dit Jésus va aller sur le champ bon Dieu bénisse l'église la Bible dit Jésus va aller sur le champ Jésus font arrêter non seulement font arrêter mais il était déclaré. Il déclare à disciples dans Jean chapitre 11 le verset 4, il déclare il dit cette maladie
mais point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Bon Dieu, bénis l'église. Il dit maladie ça. Il dit non. Il n'est pas pour la mort. C'est pas maladie qui a mené Lazare à la mort, mais c'est pour la gloire de la gloire de Dieu. Il dit nous, il y a des situations là-dedans. Pas courir à plaindre, à parler d'aide. Pas courir à parler d'aide, parce que tant que nous parlons, c'est tant que nous disons des bagailles qui sont capables d'offenser, mon Dieu. Des bagailles qui parlent dans le plan, mon Dieu. Mais lorsqu'on supporte la situation avec courage, avec espérance, avec assurance, ou qu'on est observé, mon Dieu, qui ne va pas abandonner. Mon Dieu, bénis l'église, c'est ça qui nous dit. Il dit, regardez, voici, il ne sommeille, ni ne dort, c'est lui qui nous garde. Mon Dieu, plutôt pas dormir, oui. Pour moi, ma voix a dormi. Pas rien de l'heure. Regardez, vieux rêve seulement t'a empêché de dormir. Mon Dieu, bénis l'église. Cauchemar seulement t'a empêché de dormir. Ou t'as senti ou voulez dormir, mon pas voulez faire mes jours, parce que dès que vous faites mes jours, ennemi a attaqué. Mais Seigneur a dit, regardez, vous n'avez pas besoin de faire. Vous m'avez dormi, moi-même, je ne vais pas dormir pour me veiller. Mon Dieu, bénis l'église. C'est pour ça. Il y a des situations où nous dit, on pas besoin de commencer à plaindre ni parler d'aide. Et monsieur, on pas comprendre lorsque Jésus te dit, c'est pas pour la mort. Et puis devant, il a réalisé, il a dit, et que Lazare mourit. Bon Dieu, bénis l'église. Il a commencé à dire, ça a passé comme ça. On va pendant que ça que la mort pour moi-même avait, c'est pas la mort liée pour Jésus. Bon Dieu, bénis l'église. Ça que la mort pour moi-même avait, nous dit que ça, c'est pas la mort liée pour Jésus, parce que nous réalisons à chaque fois Jésus rencontré avec le monde qui mourit, bon, Jésus rassuré par eux, il dit qu'il n'est pas mort, l'abdomen, parce que nous connaissons, il va le réveiller. Bon Dieu, bénis l'église. C'est pour ça que moi-même, avec en tant que chrétien, la Bible dit regardez, nous-mêmes, nous ne sommes pas pour nous mourir, non? Nous sommes pour nous fermer les yeux nous, et ouvrir l'autre bord. C'est pour ça que nous avons besoin pour nous mener une vie. Une vie. Et lorsque le jour ça va arriver, eh bien Jésus lui-même, il va ouvrir le bras pour nous dire nous rentrer bon et fidèle serviteur. Bon Dieu, bénis l'église. Frère seul, et Jésus-Christ, c'est le plus grand docteur. Et non seulement il guérit d'abnant, perte de sang. Et non seulement, regardez-nous, le monde qui était mort, il ressuscité. Et la Bible dit, même dit les bruits. Nous comptons toute histoire. Bon Dieu guérit. Bagaille société a resté, voyez jeter, voyez aller. Depuis que nous avons une zone, eh bien, moun se fait notre zone. Nan. D'ailleurs, si vous passez dans une zone, vous avez besoin de cloche dans la main. Bon Dieu, bénis l'église. Vous avez une cloche pour faire connaître, mais à passer, pour que moun pas passer là. Mais vous rencontrez avec Jésus. Et Jésus lui-même, ça le fait, il guérit. C'est pour montrer comment vraiment nous gagnons un docteur par exemple, par exemple. Par excellence. Nous gagnons un grand docteur. Et docteur, ça, lorsque la science l'avait même, lorsque la science dit qu'on n'est pas capable, eh bien, lui-même lui dit regardez, au maître mène le vini, parce que la vie, c'est dans Jésus lié. Bon Dieu, bénis l'église. Et ça fait moi-même avec vous. Parfois, nous tremblons devant la situation. Parfois, nous pensons l'homme capable de prendre la vie, nous, à volonté, gens que vous voulez. Je suis capable de disposer de tuer et puis venir le tuer. Moi, tout matin, ce n'est pas vrai. Tout cheveux dans la tête, moi, compté. Tout cheveux dans la tête, vous compté. Et la Bible dit pas qu'on craint qu'on a lâché sans permission. Bon Dieu. Bon Dieu, bénis l'église. Nous ne pouvons pas faire une prudence. Nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire crédule, nous ne pouvons pas lever, à faire action, nous ne pouvons pas faire. Même pas peur. Pour me peur tellement, pour me penser l'homme qui a éliminé me l'air, vous voulez? La vie, non mais mon Dieu. La vie, ou non mais mon Dieu. Si maintenant, même, nous avons nous fini déjà. Si maintenant, même, si nous ne pas cacher, on va manteau de grâce. Regardez, quand nous allons dormir, nous ne pas réveiller. Parce que ennemi on l'y attaqué, ni j'éclair, ni dans dormi. Et parfois, il y a des coups sortis pour le bail dans dormi, si vous prenez comme ça, on ne pas pleuver. Bon Dieu, bénis l'église. Si vous faites, bon Dieu, confiance. Et qu'on est qui, genre de bon Dieu, ou a servi. Et regardez, qui te dit, c'est des victoires en victoire, n'a pas marché. Oui, pas de monde qui est dans le combat, qui va en prendre un coup. Bon Dieu, bénis l'église. Pas de monde qui est dans la guerre, et puis qui va en prendre un balle. Il y a un balle. Mais est-ce que balle l'a tué?
Est-ce que le monde qui va être là pour remporter la victoire? Non. D'ailleurs, Jésus-Christ déclarait à la croix, tout est accompli. Il dit déjà la victoire, et puis nous-mêmes tout, libre nous pouvoir. Bon Dieu bénit l'Église. C'est ça qu'il dit, oui, dans Marc 16. Il dit, regardez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et de l'escorpion, rien ne pourra nous nuire. Bon Dieu bénit l'Église. Et parfois, nous lisons la parole là, nous répétons la parole là, nous même prêchons la parole là, mais lorsque la situation arrive, vraiment, nous agissons différemment. Et ça m'a dit là, je ne vais pas retirer la tête la donne. Mais je voulais faire comprendre. Nous avons servi un bon Dieu qui besoin qu'on ait à qui j'ai de monde là la fête. Nous prêchons pour vous plusieurs fois pour nous dire, bon Dieu t'es parié sur Job. Dans Job premier, bon Dieu parié, gardez, sous plusieurs autres, il était compté sous Daniel. Il comptait sous trois jeunes hébreux. Il comptait sur des servantes et des serviteurs qui d'accord, ils ont tué, mais quand tu as régné le nom de Jésus, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils connaissent la vie qu'ils ont besoin. Il n'est pas de l'autre côté, c'est dans Jésus. C'est dans Jésus. Pierre t'a déclaré ça. Bon Dieu, bénis l'église. Et maintenant, il aime d'eau, frère, soeur, nous te disons vraiment, ils sont bons protecteurs, ils sont bons docteurs. Et nous sommes capables d'aller on et on pour nous dire combien non seulement à travers la Bible, ça le fait qu'il prouve vraiment son grand docteur, même dans la vie, non, la vie personnelle, moi. Opération que Dieu fait pour moi dans dormir, opération que l'autre monde même témoigné, ça que Dieu fait, bagaille que vous constatez, bagaille que moi vive, moi connais, ça m'a fait là, bon Dieu bénit l'église. Si ton monde, par exemple, je n'ai jamais subi l'expérience là, je ne connais pas, Jésus n'est pas arrêté pour te opérer, ça m'a dit là, je suis adossé seulement à travers la Bible pour connaître. Mais moi, je vive là, bon Dieu bénit l'église. Moi, je vive là. Et je connais assurément, il y a un peu de monde là, il y a des maladies où tu as. C'est bon Dieu qui guérit. C'est bon Dieu qui guérit. Et même là, tu as un docteur, ou tu as assurance, ou tu as un peu de bagaille qui fait, mais qui te dit. La science, avec tout docteur, il ne pas faire rien d'autre que soyez. Il soyez, mais c'est mon Dieu qui guérit. Mon Dieu bénit l'église. C'est ça que fait chaque fois après un médicament, ça doit faire. C'est prier sous lui. Mon Dieu bénit l'église. C'est prier sous lui. Et puis, dans la prière, on va demander mon Dieu guérison. Parce que la Bible dit moins, mais quoi dans Esaïe 55, si je ne me trompe pas, eh bien, il dit c'est par mettre sur lui que nous guérit. C'est grâce à Saint-Louis qui t'est versé à la croix, qui portait la guérison. Bon Dieu bénit l'église. Égal, c'est grand docteur par excellence. Mais maintenant, nous voulons présenter au lit comme un grand lawyer. Bon Dieu bénit nous. Nous voulons présenter au lit maintenant comme un grand avocat. Un peu de mots. Comme un grand avocat. Parce que vraiment, il y a des cas où on la donne. Regardez, juge qui a levé contre nous. Gros loyer qui a levé contre vous, la police levé contre vous, le gouvernement levé contre vous, mais qui t'aime aussi pour que loyer savoir Jésus de Nazareth, ou pas gagner pour peur. Bon Dieu bénit l'église. Bon Dieu bénit l'église. Et nous sommes lui, et nous sommes dans Actes chapitre 4, la Bible dit garder et apôtre Jean, ensemble avec apôtre Pierre, et monsieur, eh bien, ça vous fait pendant que vous rentrez. Pendant que vous rentrez dans le temple, vous allez prier. Et pendant que vous allez prier, eh bien, non, vous déclarez que vous avez gardé Jean ensemble avec Pierre, vous arrêté messieurs, d'après le verset à nos autres, vous dit, vous mettez la main sur eux, dans verset 3, ils mirent la main sur eux et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain. Ok, ils ont arrêté monsieur, ils ont mis en prison. Mais si on a vu qu'on est pour qui ça, ils ont été arrêtés, ils n'ont pas pris le temps. Mais où on va aller dans Actes chapitre 3, eh bien, on va lire, on va regarder pour qui ça, ils ont été arrêtés monsieur. Mais on m'a dit pour qui ça, ils ont fait ça. Eh bien, ils ont été arrêtés monsieur, c'est parce que monsieur, ils ont rentré dans le temple, ils ont prié, et pendant qu'ils ont prié, ils ont arrivé devant le temple, ils ont joué un homme paralysé, ils ont mis.
Et devant un homme qui est paralysé, ils mettaient devant un blanc qui pour demander. Et c'est le monde qui toujours porté lui mettait pour demander. Et puisque monsieur O'Brien est entré dans un blanc, et puis ils ont monsieur devant la porte là, et puis monsieur lui-même était dit Jean avec Pierre, là, mon bagage dans le cuir pour moi. Là, bon, mon bagage là. Et puis Jean, la Bible dit par l'esprit, gardez Pierre, ils ont tous ensemble, ils ont gardé l'autre. Ils ont dit monsieur, gardez, je n'ai pas l'argent, ni je n'ai pas l'or, mais ça me gagne ma baoule. Au nom de Jésus, levez, camper et marcher. Bon Dieu, bénis l'église. Et la Bible dit, eh bien, sur le champ, eh bien, monsieur était campé, monsieur était levé, lui marcher, lui pomper, lui danser, lui accompagner monsieur, rentrer dans ton plan, à l'adorer, bon Dieu. Mais pour bien faire ça, pour action ça, eh bien, la Bible dit dans le chapitre 4 là, il a arrêté Pierre avec Jean. Il a mis monsieur en prison. Et puis, le lendemain, ils ont réuni tous les grands principaux et sacrificateurs, et tous les gros paletots, tous les gros messieurs, hommes de loi. Et qui est-ce que lorsque vous parlez de monsieur Sayo, monsieur, c'est qui quoi fait l'église là? Bon Dieu, mais nous l'église. C'est peut-être l'église adventiste, oui. Les gens qui connaissent la loi, et puis qui parlent des 10 commandements, et puis qui prêchent. Mais sauveur avec eux, sauveur a fait miracle. Comprenez, ils ont refusé, ils ont refusé, ils ont même crucifié. Non seulement ça, Jésus mourit et il ressuscité, il est allé la Bible. Et bien, à premier verset 8, il voyait cet esprit. Monsieur rempli du Saint-Esprit. Et monsieur continue à prêcher l'évangile là. Et pendant la prêcher l'évangile là, guérison a fait au nom de Jésus. Bon Dieu, bénis l'église. Et pendant la guérison a fait, eh bien, jusqu'à présent, monsieur, dans les rues, toujours, ils ont réuni pour y a juger. Pour y a juger Pierre, pour y a juger Jean. Et lorsque vous mettez au dans mi-temps, la Bible dit lorsque vous placez monsieur au dans mi-temps, et puis vous connaissez, eh bien, avec ça, c'est nous qui ne connaissons pas. D'ailleurs, Pierre, c'était un pêcheur poisson. Comprendre, Pierre son homme et poisson la pêché et n'est pas à l'école, n'est pas tellement qu'on a rien. D'ailleurs, c'est qui t'a suivi Jésus, il t'a marché derrière un homme, si il a une capacité, il a une connaissance, il a comme ça bon, c'est bon homme il t'a suivi, bon Dieu bénisse l'église. Et puis il prend monsieur, il mettez en dans mi-temps et puis il connaît, et bien, il prend tomber poser aux questions et on connaît tant que Paul il s'a pose aux questions, on va parler, c'est tant qu'on dit parole. Pour mettre en bas quoi. Bon Dieu bénisse l'église. C'est ça que fait. Yo tout debout, yo arrêté, pas dit rien. Pas ouvert bouchou, sou ouais yo accusé au mal. Yo commencé à fort parler, pe bouchou pas parler, mandé pour l'oyer. Bon Dieu bénisse l'église. Yo tout mandé pour l'oyer parce que ou même on doit parler, parole qui sort dans bouchou. Condamné. Eh bien, monsieur, vous connaissez, vous mettez Pierre dans le temps là, vous mettez Jean dans le temps là, vous pouvez faire monsieur au palais, vous pouvez poser vos questions, eh bien, assurément, vous pouvez fouiller tout à pifon pour vous rentrer. Et puis la Bible dit, regardez, Pierre lui-même campé. Dans verset 7 là, il dit, ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela. Miracle ça, que vous avez fait dans Acte chapitre 3. Non, ça vous avez fait marcher. Pas qui pouvoir ou faire bagay ça. Parce que, vous avez besoin de connaître. Pas qui pouvoir, malgré vous connaissez déjà. Mais vous avez besoin de faire parler. La Bible dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. C'est la map de où l'église sans Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Sans cet esprit de Dieu, l'église a bien pile difficulté pour remporter la victoire. Chaque servant, chaque serviteur, ou non combat, ou a bien pile difficulté parce que bataille ça ou pas capable de mener avec la chair et le sang. Si Pierre n'a pas répondu selon lui-même, si Pierre n'a pas parlé avec connaissance, parler, capacité, parler, nous ne savons pas qui ça a passé. Mais la Bible dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade,
afin que nous disions comment il a été guéri. C'est son bagage, entendez. Pour nous font bien fait, ou font bien, pour être bien, pour arrêter au bouli. Mais puisque c'est pour bien, je dis, il a arrêté nous, pour nous guérir, et nous les faire connaître. Sache-le tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Quand il voulait nous connaître aujourd'hui, non, ça a nous été craché dans la figure, non, ça a nous été crucifié, non, ça a nous été immolé. Mais on songeait, Pierre, lorsqu'il a arrêté Jésus, ça a bien été fait. Pierre était couru. Pierre, au contraire, la Bible dit réunir Jésus combien de fois? Trois fois. Pour qui ça? Parce que Saint-Esprit est votre là. On dit bien dans l'église. Yeah. Mais lorsque Saint-Esprit vient, mais Pierre, qui recevait Saint-Esprit, la Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit, et c'est alors le pape personne. Vous avez fait une situation, moi-même, avec vous, n'a tremblé devant vous. C'est parce que la chair est prouvée. C'est parce que nous quittons la chair à dominer. Mais le jour que nous connaissons, cet esprit de Dieu est dans la vie, nous. Il est là pour protéger nous. Il n'a pas gagné pour peur. D'ailleurs, la Bible dit nous garder peur. Ça qui est capable de tuer ni l'homme ni le corps. Mais on voit ça qui a tué le corps seulement. On n'a pas besoin de peur. Parce que l'esprit de Dieu est capable de défendre nous contre lui. Bon Dieu, venons à l'église. Et quand on peut aller, Pierre fait ce que vous connaissez. Pour bien faire. C'est pour une mauvaise action. C'est pas mon moi tué, c'est pas voler, c'est pas un mal fait. Son monde qui guérit, même le fait nous connaître, c'est pas le nom de Jésus qui guérit. C'est pas même nous-mêmes qui faisons, c'est le nom de Jésus qui fait. Et monsieur, vous confuse. S'entendez, monsieur, sans argument, gros docteur de la loi, l'homme qui te comprend, il t'a pas regardé, il t'a dit, ouais. Jacques avec et Pierre avec Jean là, ils vont le faire tomber dans une situation, reprendre pour mettre dans la prison pirate. Mais Jean a commencé à argument. Jean avocat a commencé à parler. Jean Saint-Esprit fait introduction. Jean Saint-Esprit fait introduction. Monsieur a réalisé, ou pas jamais arrêter le monde pour bien faire. On dit bien dans l'église. Ils ne pas jamais mettre le monde dans la prison parce qu'elle fait bien. Mais c'est seulement lorsque vous faites mal. Même si d'ici aujourd'hui, à nous avons posé une question, combien fait? Nous le faisons, nous connaissons au nom de Jésus. Et que ça fait, la Bible dit, regardez, les gens sont mêlés. Les gens sont pas capables. Ils ne sont pas capables pour faire. Nous le faisons avec eux. Et bien, les gens virent, les gens disent, regardez, lorsque ils ne sont pas capables, et puis ils sont entendus à pied avec Jean, l'évangile a tombé. L'évangile a tombé. L'évangile. Les gens pas en jugement encore, non. Les gens ont prêché les vents. L'évangile, le fait que vous connaissez Jésus, vous êtes crucifié, il y a encore la vie pour vous. Si vous venez à accepter comme sauveur et maître, oui, vous avez jugé, mais demain, c'est lui pour aller juger. Pour dire dans l'église, vous n'êtes pas capable, vous êtes attendu, vous attendez, attendez, et puis vous avez besoin de la sentence. Mais vous êtes tellement embarrassé, vous êtes tellement pas comme ça pour vous faire. Parce que qu'est-ce là, c'est dans mes lawyers par excellence dans l'Église. Bon Dieu, bénis l'Église. C'est cet esprit qui campait. Et vous connaissez cet esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ. Bon Dieu, bénis l'Église. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en esprit. Jésus te dit, me râler. Mais ma voix est qui ça? Il y a un autre consolateur. Il y a un autre consolateur. Et lorsque cet esprit vient, Jésus va là, en chair et en os. Mais l'esprit de Dieu, c'est comme si Jésus est toujours avec monsieur. Bon Dieu, bénis l'Église. Et puis, les gens mêlés, ils vont prendre ça pour faire dans verset 16 là. Et bien, ils ont relé. On commence dans verset 15. Il dit, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibrèrent entre eux. Ils ont demandé, gros chef la loi, gros avocat, ils ont embarrassé. Ils vont prendre ça pour faire. Ils vont prendre ça pour dire. Ils ont besoin qu'on y a un moment. C'est eux, oui. Qui m'a donné, il a dit, regardez, faites l'extérieur, ils se font déplacer pour nous. Sortez avec Pierre et Jean. Sortez avec dehors, parce que nous avons une parole, nous avons besoin pour nous entendre, pour nous comprendre qui ça nous a dit. Bon Dieu, ben, depuis qu'il est juge, qu'on a demandé pour accuser, déplacer, bon Dieu, ben, l'église,
pour être capable de voir qui ça pour dire. Pour être capable d'entendre, ça fait ça parce que lawyer par excellence, avocat par excellence, lui mettait confusion dans lui-même. Et monsieur, par contre, ça pour faire. Et puisque vous ordonné, vous sorti, vous sorti. Et la Bible dit, vous avez posé des questions, vous dit, que ferons-nous à ces hommes? Qui ça nous va parler de ça? Parce que il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, que miracle allait, avaient dit un miracle qui était déjà annoncé. Parce que, pas oublier, le prophète Esaïe était annoncé, eh bien, qu'on sauveur qui a venu, qui a gagné pouvoir, qui a même ressuscité mon mourir, maladie, qui a guéri, boiteux, qui a marché, bon Dieu, bénis l'église. Et voilà que, à travers apôtre Pierre et apôtre Jean, c'est miracle ça qui fait là. Nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas dire non. Peuple a regardé, peuple a connu, qui ça nous va faire? Monsieur, on est en confusion. Et puis, nous sommes tombés d'accord, on dit, mon cher, comment ça nous fait? On menace les gens seulement, et puis vous y allez. Mais on menace eux, et puis on a dit, regardez, suspend à faire l'évangile ça. Suspend à prêcher l'évangile, ou à prendre, ni un fait l'enseignement, allez, m'lague, nous menace à faire ça encore. Alléluia. Mais les gens, même, ils disent, pas faire des choses comme ça. Et puis Pierre il regarde, monsieur, mais monsieur, est-ce que nous pensons qu'à obéir nous? Oh gloire à Jésus. Oh gloire à Jésus. Qui le bon même avec vous avez courage ça pour nous camper et reconnaître c'est mon Dieu pour m'obéir. C'est pas ça l'homme dit me fait. C'est pas là, ça l'homme a dit ma droite, dit ma gauche, mais c'est pour m'obéir la parole. Pierre campé, il dit, monsieur, est-ce que nous est possible? Est-ce que nous est ça possible? Pour m'obéir, nous, pour me désobéir, mon Dieu. Et monsieur, regardez, vous avez réalisé, vous avez travaillé avec monsieur ça. Vous avez travaillé avec vous. Vous dites, monsieur, déplacez là, nous oui, pas le prêcher l'évangile. Avec qui vous avez déplacé là, mais vous allez, quand vous allez, vous allez dans le tremblant. Vous allez continuer à adorer, vous allez continuer à prêcher l'évangile, vous allez continuer à faire mon Dieu gloire. Même ce matin, vous avez dit, vous êtes un grand avocat. Avocat ça lorsque l'encaisse, l'homme pas gagné. L'homme pas gagné. Ou en Actes chapitre 4 là, cet esprit de Dieu était couvert, eh bien, chambre dans la tête en bas. Homme de loi, il n'y a pas comme ça à faire, il n'y a pas comme ça pour dire, il n'y a pas comme qui décision pour prendre. Parce que, moun yo te pense pas tanyer. Vendre machin poisson, n'est-ce qui pas dans l'école là, oui. Yo est le homme du peuple. Mon qui va connait rien mais avec cet esprit dans la vie yo confuse Supreme Court nous a dit parce que dans le temps sans les rien c'est ça le représenter c'est la Supreme Court haute instance mais monsieur rentré cet esprit de Dieu découvert et puis regardez yo libéré bon Dieu bénisse l'église nous songeons tout yo prend Pierre Jean yo prend apôtre Paul. Ils ont mis avec Silas, ils ont mis en prison. Mais la Bible dit qui ça? La Bible dit, grand avocat dans l'entrée, ça le fait, libéré. Pourquoi ça fait libérer sans pas même quitter au passé devant la justice? Ils n'ont pas fait un homme. Mon Dieu, dans l'église. Ils n'ont pas fait un qui mal. Dieu de justice là, il est rentré, la Bible dit, regardez. Ange l'a rentré, il libéré Pierre, il a pété chaîne. Ils ont mis Pierre dans le temps, des soldats. En dans prison, yo met pied dans mitan de soldats. Devant porte là, yo met soldats avec zarap surveillé. Mais la Bible dit dans la nuit, ange de Dieu rentré, li pété chaîne là, li passé sous soldat yo, li réveillé Pierre, il dit Pierre levé. Et pas dit Pierre levé à prendre plaisir non. Pierre levé parce qu'on a un travail sérieux pour le faire. Pas occupé vagabond, qu'a met ton shit en côté. Et puis il levé, Pierre comprend c'est nos visions liées, Pierre déplacé, l'a marché, l'a suivi Angelan, la Bible dit Angelan, monsieur traversé soldat, notre tout le monde a dormi. Il est arrivé devant la porte là qui était enchaîné, porte là ouverte, bye. C'est vite bon Dieu a passé. Et puis pendant le saut dehors, et puis j'ai bien clair. Pierre réalisé, a passé par l'endormi. Bon Dieu bénit l'église. Bien réalisé, a passé par le dormir, a passé tout bon. Oh, oh. Et puis Pierre,
Mais l'église, la Bible dit, l'église t'a prié. L'église t'a prié pour Pierre. C'est ça qui est important. Parce que parfois, frère, lorsque je tombe dans une situation, lorsque soeur ou bien frère tombe dans une situation, ou même c'est pas chita à dire, t'es où est-ce que ça? C'est pas chita à dire, vous comprenez? Il y en a toutes sortes, ou pas qu'on action, yo. Il y a mon raisonnement, ça va faire. Ou qu'on s'est arrêté à l'amener. Il y en a en prison, yo prend la moi, même ma défendre. Vous comprenez? Je ne sais pas ça a été fait. Mais la Bible dit, l'église de rester sous jeu. Sous genou. Et à prier. Et puisque a prié, gardez bon Dieu délégué Angeli, pété chaîne prison, mettez pieds dehors. Et monsieur tellement saisi, parce qu'il a prié, mais on connaît son bagage bon Dieu qu'a fait à long terme. Son bagage bon Dieu a pris deux jours droit pour le faire. Mais pendant que l'on entend, il a prié, il a des portes la frapper. Alléluia. Il a des portes là, quand il a frappé, qui est-ce qui n'a pas de la prière? Yo a ouvert, mon a tellement content d'entendre voir Pierre, il retourne à dire l'autre monde, il va même ouvrir porte là. Yo dit oh, t'es pas bon. Pierre dans prison, on dit oui, Seigneur à la ville. Bon Dieu bénisse l'église. Nous nous on bon loyer par excellence. Non pas que temps pour nous prêcher message là. Mais qui t'aime nous frère, on bon loyer par excellence. Pas bon situation ou la dans la plutôt pour on. On en prison la libérer. Mais ça que moi même avoir besoin pour nous faire, fait que pour nous aller en prison pour la gloire de Dieu. Fait que ce n'est pas l'homme nous qui mène nous en prison. Ce n'est pas mauvaise action nous qui mène nous en prison. Fait que nous allons en prison pour la gloire de Dieu. Même Jean, on sait des gens malades. Même Jean Lazare il était malade. Jésus déclarait dans Jean 11, il dit maladie ça, il n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ou bien nous allons en prison. Ou bien nous allons en prison. Mais c'est pour nous prendre pour la gloire de Dieu. Nous allons dans une situation difficile. Mais dans la situation où nous tombons, nous avons besoin pour que bon Dieu prenne gloire là, la donne, bon Dieu bénisse l'église. Frère et soeur, matin, nous encourageons et nous le faisons comprendre. Nous avons un grand protecteur, un grand docteur, un grand avocat. Et c'est grand dans toute l'autre bagaille. Ça, c'est ça, nous citons. Mais qui t'aime de vous, frère et soeur, n'importe ce que vous voulez lier pour vous, il est capable de défendre nous, et il est capable d'aider vous. Et la bonne victoire. Maintenant, nous encourager, aux frères et sœurs, servir mon Dieu. Servir mon Dieu. Nous ne pas le. Mais, à songer, papa, nous avons arrêté. Nous avons arrêté. Pour qui ça a arrêté? Il a arrêté parce qu'il a prêché l'évangile. Et puis, bon Dieu, transporté dans nos zones. Pendant nos zones, et puis, il a gardé, il a rentré dans la barrière ouverte, il a rentré dans la barrière. Et c'est l'esprit qui a guidé. Rentrer, rentrer, qui s'ajoint pour faire émarrer, planter, y a chauffé du feu, on s'y canso chita, on grand chita, tout le monde chita, on branle. Et puis, pasteur paraît rempli de l'esprit, et puis il dit, ça n'a pas adoré là, ça y est, monsieur paraît, il lâche pour faire, ouais. Il dit, ça, on vient pour faire, n'a mettre à genoux, n'a prier, n'a pas adoré. Et puis, même côté de lâche là, on grand prend pour on grand dit, oh, quand il travaille, monsieur, quand il travaille, monsieur. Et soit on dit, ah, tout. Yo prend courir. Courir pour qui ça? Parce que mon serviteur, bon Dieu, rentre. Qui est une loi? C'est loi, yo t'a brûlé. Qui est une loi? Et qui est ce sacrifice, yo pral faire. Mais bon Dieu, délégué mon serviteur. Bon Dieu, délégué mon serviteur. Who knows qui est ce qu'on a pral piqué? Parce que depuis souvent, lorsque yo réunit, ce qu'on est à faire. C'est des grès, ils ont fait des grès, ils ont mis dans une tique, n'importe côté lié, et puis où est son coupé au piqué, mais pendant que mon côté lié, il y a un couteau. Mais il y a des gens, lorsque mon Dieu a campé pour eux, ils délèguent les anges, ils délèguent les serviteurs, ils délèguent les servantes. Les serviteurs, guidés par l'esprit, ils rentrent, et lorsque ils rentrent, ils lâchent pour faire, sauf qu'on est à cérémonie campée, toute bagaille campée, on a été en loi, et toute loi courir. Et puis, sauf qu'on est à l'évangile à tomber. L'évangile a tombé. Et il y a même aussi qu'un autre qui garde qui, ouais, si vous mettez au rond dans vous, il y a même une grande crise. Mon Dieu, ben dans l'église. Parce que vous êtes là pour qui ça pour protéger, pour protection. Vous connaissez ton bagage, mais vous avez monsieur grand courir. À toute loi, dans tête, il courir. Vous dites, mais plutôt mal, je ne ça. Alléluia. On a un cas prêchant l'évangile, tout l'humain. Ou l'évangile, en du feu. Diable courir. On grand courir. Et puis, ça a fait, parce que fait prêcher, on s'y
tout le monde qui était là, ça voulait convertir, convertir, mais aucun lui même pas converti. Et puis passé à la Kali. Et lorsque le arrivé à la Kali, et bien quoi, deux jours plus tard, et puis ou bien le lendemain, on grand connaît le bac à faire, mais ça le fait la police lui voit un mandat. Il voit un mandat, il voit arrêter pasteur. Nous sommes pas nos témoins ça déjà. Mais qui nous dit, c'est pour rappeler, bon Dieu ne m'a pas abandonné lorsqu'on campait pour lui. Et même côté, il a envoyé un mandat pour lui, et puis il s'entendait à maman, mais même un mandat, la police, n'est pas venu à arrêter. Et puis il dit, mais ça va tout là, nous devons prêcher l'évangile, mais pas rentrer la caille pour nous. Bon Dieu, bénis l'église. Pas rentrer la caille pour nous, ou prêcher l'évangile, prêcher dans la rue, ou pas besoin de l'argent. Parce que c'est moi-même. T'es entré dans le monde, t'es quand même l'esprit pour l'amour. Oh, gloire à Jésus. Lorsque vous marchez par l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas peur. Vous ne pouvez pas peur. Et vraiment, ce n'est pas mentir le bail, ce n'est pas lui qui rentre. C'est le ciel qui voyait. Et puis il rentre. Et puis il dit, maman, mais c'est l'esprit pour l'amour qui fait moi. Moi, j'ai l'esprit, mais mandat à la frère. Mais mandat là, pasteur, tu aimes quitter là, non? Je vais laver, je vais le mettre. Gloire à Jésus. Mais Jésus-Christ nous songeait. Et dans la révélation, je t'ai parlé avec l'apôtre Paul. Et nous sommes dans Marc chapitre 13, si je ne me trompe pas, Marc chapitre 13, le verset 11. Il dit, Paul, regardez, vous n'avez pas besoin de préparer. Vous n'avez pas besoin de préparer ce qu'on dit. Lorsque vous arrêtez, vous avez jeté en prison, vous n'avez pas besoin de préparer ce qu'on dit. Parce que à l'instant même, à l'heure même, cet esprit de Dieu, à l'instant même, tout le monde, ok, où allez-vous même? Marc, chapitre 13, le verset 11. Il dit à l'instant même, cet esprit de Dieu, c'est lui-même qui va prendre la parole. Bon Dieu, bénis l'église. Eh bien, vraiment, pasteur dit, on va quitter le mandat, là, on va aller avec même. Et puis, dans le mai ou bien dans le jour, tu es allé là, on va prendre monsieur pour un mandat, il paraît, et puis, bah, là, dans le jugement, nous n'avons pas voyé mon mandat, on gagne, lui-même, il finit. Et puis, on y a là, s'entendre, il finit avec tout le monde, pour tout le monde, comme témoin, pour montrer, monsieur rentrer la caillou, lui racher, et puis, monsieur commence à expliquer, vous faites ça où est là, mais c'est combien quoi, parce qu'il y a un peu le diable, il a acheté pour mettre la donne. Mais M. Paret, M. détruit tout le bagage, il raché. Et puis, le pasteur était attendu, le juge l'a attendu. On a fait tout étalage, combien de fois il a dépensé, toute action et tout ça fait pour faire ça, tu es capable là. Et puis, le pasteur lui-même, il était fin de et puis, le juge l'a dit, et vous-même, qui sortit dans ça? Parce que vous accusé là, en plus l'accusation. Et puis, il a dit, rentré la caillou, le pasteur dit, moi-même, qui t'aime d'eau, moi son serviteur de Dieu. Et bon Dieu, bon pouvoir, et lui voyait, lui dit, mais qui ça pour mal faire? Lui fait rentrer dans la caille, me racher pour te faire. Au nom de Jésus, lui bon pouvoir. Et il même dit, me fait des dégâts. Je ne pas aucun dégât qui fait, seulement on peut faire. Mais si on dit qu'il y a un diable qui mourit, oui, au nom de Jésus, le diable n'a pas campé devant Jésus. Et c'est lui qui met moi. C'est lui qui voyait mal faire ça. Mais si on voulait, comme moi, même moi, son bout de fer seulement me déracher, je vais retourner mal planter pour faire pour vous. Juge l'a arrêté, l'a regardé. Juge l'a dit, oh, mais c'est vrai, son bout de fer déracher. Et puis, son temps de ni mango, ni. Oh non, 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 n'est-ce pas, va rentrer dans la cour encore. Même la rentrée dans la voie avec nos lumières, avec nos gels, personne ne va regarder. Tout diable est couru, tout le monde courit. Et puis, pasteur dit, mais acceptez Jésus ça. On dit, mais dans l'église, il dit, juge, nous avons besoin pour nous accepter Jésus ça. Parce que Jésus ça, c'est lui-même qui m'a l'ordre, qui m'a pouvoir. Diable pas qu'à camper devant, au nom de Jésus. Mais si vous voulez, c'est pour ça que vous êtes là pour vous faire, vous allez le faire. Mais si vous ne voulez pas, juge, je ne vais pas me faire comme ça parce que ça est bon Dieu qui fait. Bon Dieu bénit dans l'église. Frère, soeur, nous sommes bon Dieu qui est fidèle. Nous bon Dieu qui est grand. Nous sommes bon Dieu qui est puissant. Lorsque nous disons, c'est plus bon loyer qui gagne, plus grand avocat qui existe. Regardez, l'homme non seulement bat bas devant caisse, que lui-même il a contrôle,
mais un cœur qui a brisé pour accepter la parole là. Parce que lorsqu'elle parle, la Bible dit l'éternité envahit. Bon Dieu, bénis l'église. Nous servons un grand bon Dieu, un grand protecteur, un grand docteur, un grand avocat. N'importe situation, retrouvez-vous là, la gueule même. Et puis, la fait grâce que bon Dieu bénisse.